Cinq jours après le séisme qui a fait au moins 2 900 morts et plus de 5 000 blessés, nous sommes actuellement à Marrakech en compagnie des bénévoles de l'association Jeunes Maroc. Ils se préparent à convoyer des produits de première nécessité. Dans quelques instants, départ en direction de la région d'Amisnis, proche de l'épicentre. Aujourd'hui, on se trouve dans un village dans le Haut Atlas qui a été touché malheureusement par le tragique séisme. On est arrivé de nuit, personne dans le village n'est chez lui parce que la grande majorité des maisons ont été démolies et celles qui sont restées, elles sont à risque. Ce qu'on essaie de ramener aujourd'hui, c'est premièrement l'alimentation. Parce que ces gens-là, ils doivent se nourrir. On a des couvertures parce que dans l'Haut Atlas, il fait froid. On a des habits pour enfants, des habits pour hommes, des habits pour femmes. Et puis, nous ramenons aussi tout ce qui est tentes, bâches, matelas, etc. Après le séisme, on s'est rendu compte que ce village, il ne se trouvait pas dans l'épicentre. Tous les bénévoles se précipitent à l'épicentre parce que c'est là-bas où la situation est vraiment très critique. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des villages dans le Haut Atlas qui ont été touchés, comme ce village-là. On se rend compte qu'un village de 250 personnes qui dorment dehors n'ont pas été encore approchés par personne. Et du coup, on est vraiment ravis d'être là pour les aider. Ils sont contents de nous voir. C'est des gens qui malgré tout, gardent le sourire.